J'espère que toi derrière ton écran, tu vas bien. Prépare l'apéro, je sens que la vidéo va être longue. Et oui, tu l'as vu en titre de vidéo. Un match, une finale, un trophée à la clé. Et pour la Ligue B de volleyball. Et oui, un nouveau sport qui sera au JO, mis en avant sur ma chaîne. Et quelle finale de fou qu'il va avoir en plus à la maison. Et croyez-moi, je sens que l'ambiance va être boum. En plus dans tout ça, c'est un mini derby. Ah oui, c'est un mini derby, on peut le dire quand même. Parce que c'est Cannes qui était premier de tout le long du championnat, qui a dominé tout le monde, contre son dauphin, et oui, qui a aussi été quasiment deuxième tout le championnat, si je ne me trompe pas. Et le dauphin, il n'est pas loin. Et oui, Cannes contre Ajaccio. Wow. Ça va être de la patate. Ça va kiffer. Là, il va y avoir une sacrée ambiance. Ça va être mémorable. Je le sens bien. Et pour vous le dire, en plus, je devais vous filmer le match aller du championnat en décembre. Je suis tombé malade. Voilà, je suis tombé malade. Et c'était pour vous la préparer pour aujourd'hui. Eh oui, ce dimanche 21 avril, ça va être énorme. Entre Cannes et Ajaccio, je sens que le public va être chaud. Je sens que ça va être une vidéo. Ça va être une ambiance de malade. J'ai hâte d'être. C'est bon. Allez, allez, c'est bon, Maïkou. Il est chaud, il est chaud. Allez, on ramène le coupe à la maison, Cannes. Allez, ah oui. Je suis désolé, mais ma famille corse, je suis pour Cannes. Ah ben Cannes, c'est ma ville d'adoption. Je ne veux pas me tromper d'équipe, croyez-moi. Hein, si c'était Ajaccio, une autre ville, bon, j'aurais pu être pour Ajaccio. Mais là, je suis désolé, mes amis corses, ma famille, je préfère Cannes. Voilà. Et je vais être pour eux et je vais crier. En plus, je me suis mis en rouge. Ah ben alors, Ajaccio aussi, c'est en rouge. Mais attendez. Ah non, on l'a vu, il y avait du blanc, on l'a vu un petit peu, mais bon, je sais pas trop essayer de sauter un petit peu, parce que je reviens quand même, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai eu mal au dos et je reviens au niveau du terrain, donc on va pas se reblesser de nouveau, hein? Bref, allez, allez, je suis prêt, allez, je suis prêt, let's go, let's go, let's go les caméras, let's go les caméras, fui, two, one, let's go! Bien arrivé au Palais des Victoires pour voir cet incroyable match. Et les joueurs d'Ajaccio rentrent sur le terrain.
C'est au tour des joueurs canois de rentrer sur le terrain. Un petit rappel les caméléons, c'est que les Canois sont allés gagner chez leur adversaire le match aller 3-7 à 1. Et c'est parti pour ce match de folie, le premier set, let's go! Et le premier set remporté par l'équipe d'Ajaccio qui croit en la victoire. C'est parti pour ce deuxième set.
Oh, Ajaccio qui remporte ce deuxième set. Cannes qui n'a pas existé. Et Ajaccio croit à la victoire et au titre. C'est parti pour le troisième set. Et le set remporté par l'équipe de Cannes qui s'est très 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 serré et Cannes qui croit de nouveau à la victoire. Et vous allez voir que ce quatrième set, eh ben ça va pas changer, ça va être très 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 serré.
c'est la victoire d'Ajaccio 3-7 à 1 comme le match aller. Donc, par conséquence, un dernier set, le set en or, celui qui gagne est champion en titre.
chez les caméléons. Quel match de fou! J'espère que t'as pas fini l'apéro parce qu'on va encore discuter un petit peu. Et oui, c'est l'heure de la conclusion. Quel match! Quel match de fou! Waouh. Je voulais faire, comme d'habitude, faire la conclusion dans ma voiture, mais j'avais oublié le chapeau. Et donc, chapeau, messieurs, franchement, à tous les joueurs, vous nous avez régalé. Et oui, j'ai bien dit tous les joueurs, que ce soit pour Cannes, Ajaccio, merci à vous. Franchement, waouh, quel match de fou! Quel match de fou! Il y avait des S, il y avait des contres, il y avait des ballons dans le filet, il y avait un suspense de malade. Et ça s'est joué au dernier set pour le titre. Waouh, quel match de malade! Ouais, j'en reviens toujours pas. Je viens de rentrer chez moi et je suis toujours là. Oh. Alors là, ce qui met pas le volet, il fallait être là parce que là, quel suspense de fou pour être champion en titre. Alors, j'ai pas précisé à l'introduction, mais en fait, je ne savais pas parce que je l'ai appris là-bas au gymnase. Et oui, en fait, si Ajaccio gagnait, il y avait un dernier set pour le titre. Et c'est ça qui s'est passé. Et oui, Cannes qui a été catastrophique. Je crois que les mains, ils étaient un petit peu... voilà, je sais pas où ils étaient, c'est leur main. Mais beaucoup, trop de fautes. Et beaucoup, je sais pas qu'est-ce qui leur est arrivé. Est-ce que ça avait des... Je sais pas, surtout qu'Ajaccio a mis 15 sets sur 3 matchs à Cannes. Voilà pourquoi je ne voulais pas vous dire les résultats du championnat, parce qu'au niveau du championnat, 3-0. Et au match aller de cette finale, 3-1. Donc normalement, Cannes devait dominer ce match, et non. Et non, tant que ce n'est pas joué, ce n'est pas gagné. Je vous l'ai déjà dit sur ma chaîne. Et Ajaccio qui a joué le titre jusqu'au bout. Quel suspense, je vous dis pas. Oh. Par contre, il y avait tellement de suspense que c'est la première fois de ma vie, parce que je suis allé au moins à Avignon, j'ai envoyé l'équipe de France, voilà, j'ai fait plein de matchs de volley, surtout que je crois que c'était la 4e ou 5e fois que j'allais à Cannes, parce qu'il y avait Cannes à Avignon à une époque. D'ailleurs, ben, pour ceux qui ne savent pas, mon premier match de volley, c'était Avignon-Cannes, ou Canal. Dominé à Avignon et j'ai passé une mauvaise soirée. Et là, j'ai passé une excellente soirée. Et oui, c'est ça le destin. Mais bon, voilà, j'ai vu, c'est la première fois que j'ai tant vu de challenge pour les mains, pour les juste la ligne, même des fois les arbitres, c'est tellement rapide, il y a un truc qui demandait le challenge. C'était incroyable. Oh, bravo. À l'équipe de Cannes pour la victoire qui nous a fait rêver. Et je voulais dire aussi merci aux supporters d'Ajaccio parce qu'on va, pas se mentir, ils ont mis de l'ambiance, on va pas se mentir. Les supporters de Cannes ont mis l'ambiance, mais personnellement, j'ai plus entendu l'équipe, les supporters d'Ajaccio qui étaient largement moins. Hein, ça m'a rappelé Arles-Avignon contre Lens ou contre Lille ou contre Marseille, voilà, où les supporters étaient moins, on entendait plus que eux que les supporters d'Arles-Avignon. Ça m'a un peu, voilà, ça m'a fait un peu à peu près pareil, mais bon, les supporters de Cannes quand même ont mis quand même une très bonne ambiance. Voilà, je voulais pas dire qu'ils ont pas mis d'ambiance, ils en ont mis très et surtout vers la fin, surtout le dernier set. C'est pour ça que je vous dis ça, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait ça peut-être dès le début. Alors, après peut-être, parce que comme je vous ai dit, les joueurs de Cannes, voilà, c'est peut-être pour ça que, bon, le public s'était pas trop réveillé. Ils étaient réveillés pendant l'échauffement, et comme je vous ai dit, bon, on les entendait, tout ça, mais voilà. Et on entendait plus les supporters d'Ajaccio qui étaient largement moins que les supporters de Cannes. Mais bravo quand même à l'ambiance du gymnase. Bravo aux supporters de Cannes. Je vous l'ai dit, vous avez quand même mis de l'ambiance. Et bravo à vous parce que c'est pas facile pour mettre de l'ambiance. Et
Bravo, franchement, j'ai kiffé ma soirée, j'ai kiffé ce match. J'espère, franchement, j'espère que l'année prochaine, qui sait, on verra un autre match de volley de Cannes ou peut-être d'une autre équipe, on ne sait pas, on ne sait pas, ou peut-être les filles. Et oui, je rappelle qu'en Liga, il y a le Cannes et le Canet. Et oui, parce que quand j'ai commencé ces petits matchs de sport, les deux équipes avaient joué, je crois, ou il y en avait une qui était jouée, ça c'est sûr. Et au Canet, je crois que c'était pas le bon. Mais peut-être pour l'année prochaine, on sait jamais. Je dis ça, je dis rien. Peut-être pour le derby. Ou peut-être pour les masculins, les scans en Liga. On ne sait pas, on verra, on verra, on verra. Bref, j'espère que j'ai mis en avant ce sport, le volleyball, parce que j'ai vu qu'il n'y en a pas beaucoup de vidéos sur le volleyball. Donc j'ai vu plus de hockey, par exemple, ou hockey sur glace, et pas trop sur le volley. Donc j'espère que voilà, les supporters de Cannes. Voilà, s'il vous plaît, ça me ferait toujours plaisir. Le supporter de l'Ajaccio, je vous ai mis un peu en valeur. Donc voilà, mettez un pouce bleu. Ça me ferait toujours plaisir. Moi, je dis ça, je dis rien. Merci pour avoir regardé la vidéo. Bon, vous l'avez vu, c'était un petit peu compliqué à filmer. C'était un petit peu compliqué à filmer parce que j'étais dans le côté des supporters de Cannes. Voilà, en fait, vous avez vu qu'est-ce qu'ils ont vu, les supporters de Cannes. Parce que les supporters de Cannes, de les ultras, comme on dit, ils étaient juste en bas. Donc voilà. Voilà, j'aurais dû me mettre de l'autre côté, mais bon, comme il y avait les VIP, j'ai pas trop osé. D'ailleurs, bon, on parle de ça. Peut-être le club de Cannes l'année prochaine va m'inviter au club VIP et je vous fais une super plus une meilleure vidéo. Moi, je dis ça, je dis rien. On sait jamais. Moi, je lance des petites bites comme ça. Bref, voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel sport vous voulez que je vous mette en avant. Bon. C'est bientôt la fin de saison, donc c'est un peu compliqué. Ça y est, ça arrive à son terme. La preuve, le champion de l'équipe de volleyball. Donc, voilà. Allez, je vais aller me coucher parce que faire ça un dimanche soir, franchement. Oui, alors, attendez, attendez, on va se quitter. On va parler de ça d'ailleurs. On va parler de ça, on va parler de ça. Pourquoi tu l'as pas mis samedi? Pourquoi tu l'as pas mis samedi soir? Tu aurais mis le match de foot un petit peu avant. Comme j'ai dit par rapport au derby avec le football américain, tu l'aurais mis un petit peu avant, le 17h. Et paf, 20h. 20h, tu mets le match. Tu mets le match. Et oui. Et là, c'était là. Je pense qu'il y aurait autant de monde le samedi soir qu'aujourd'hui. Que ce dimanche 21 avril. Personnellement. Bon, je dis ça, j'ai rien. L'essentiel, c'est que le gymnase était quand même rempli pour vous dire qu'il y avait même des supporters derrière l'affiche où on voyait Go Dragon. Donc, bon, c'était bien, bien, bien rempli quand même. Mais c'est dommage parce que si vous avez fait ça samedi soir, hein, je pense que vous avez pu organiser un petit truc avec on aurait pu faire un peu la fête tous ensemble. Ta, 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 et moi, j'avais travaillé la vidéo le dimanche. Je vous avais sorti ça le dimanche soir. Et là, tous les joueurs ont fait waouh, compliqué à filmer, mais bravo, Maïko, bravo. Bon, bref, allez. C'est pas grave, on va pas se quitter sur ça. Franchement, merci. Merci aux joueurs de Cannes. Nous avons fait vibrer. Oui, je suis dit, c'est un peu compliqué parce que là, je commence à être fatigué. C'est dimanche soir. Demain, je vais commencer une nouvelle semaine. Vivement les vacances. Pour que j'utilise encore un petit peu, je suis en vacances. Encore un petit peu. Bref, allez. La suite au prochain numéro.